Ces faits physiques nous amènent à une conclusion indiscutable. Tout ce que nous voyons, touchons, entendons et percevons comme la matière, le monde ou l'univers, n'est en fait que des signaux électriques dans notre cerveau. Par exemple, nous voyons un oiseau dans le monde extérieur. En réalité, cet oiseau n'est pas dans le monde extérieur, mais dans notre cerveau. Les particules de lumière se reflétant de l'oiseau atteignent notre cerveau, où elles sont converties en signaux électriques. Ces signaux sont transmis par des neurones au centre de la vision dans le cerveau. L'oiseau que nous voyons est en réalité les signaux électriques à l'intérieur de notre cerveau. Si les nerfs optiques allant jusqu'au cerveau étaient déconnectés, l'image de l'oiseau disparaîtrait subitement. De la même manière, les bruits d'oiseaux que nous entendons sont aussi dans notre cerveau. Si le nerf reliant l'oreille au cerveau était déconnecté, il n'y aurait plus de son. Autrement dit, l'oiseau, dont nous voyons la forme et dont nous entendons le son, n'est rien d'autre que l'interprétation de signaux électriques par le cerveau. Un autre point qu'il faut considérer ici est la perception de la distance. Par exemple, la distance entre vous et cet écran n'est rien d'autre qu'une sensation d'espace formée dans votre cerveau. De même, des objets qu'une personne pense être très lointains sont en réalité des images accumulées à un point du cerveau. Quelqu'un qui observe les étoiles dans le ciel supposera qu'elles se trouvent à des millions d'années-lumière de lui. Or, les étoiles sont à l'intérieur de lui-même, dans le centre de la vision de son cerveau. Pendant que vous regardez ce film, vous n'êtes pas véritablement à l'intérieur de la pièce où vous croyez être. C'est la pièce qui est à l'intérieur de vous. En voyant votre propre corps, vous pensez être à l'intérieur de lui. Cependant, vous devez vous rappeler que votre corps, lui aussi, est une image formée à l'intérieur de votre cerveau. Jusqu'à présent, nous avons parlé à plusieurs reprises d'un monde extérieur et d'un monde de perception formé dans notre cerveau qui est ce que nous voyons. Toutefois, puisque nous n'atteignons jamais véritablement le monde extérieur, comment pouvons-nous être sûrs qu'un tel monde existe vraiment ? Nous ne pouvons pas en être sûrs. La seule réalité à notre portée est le monde de perception situé à l'intérieur de notre esprit. Nous croyons à l'existence des objets parce que nous les voyons et les touchons, et qu'ils sont reflétés pour nous par nos perceptions. Cependant, nos perceptions ne sont que des idées dans notre esprit. Puisque tout cela n'existe que dans l'esprit, cela signifie que nous sommes trompés par des illusions lorsque nous imaginons que l'univers et les choses ont une existence hors de notre esprit. Imaginez que la matière existe en dehors de notre esprit est bien une illusion. Les perceptions que nous observons pourraient provenir d'une source artificielle. On peut comprendre cela grâce à un exemple. Supposons d'abord que nous puissions retirer notre cerveau de notre corps et le conserver en vie dans un bocal de verre. Prenons un ordinateur où toutes sortes d'informations peuvent être stockées. Enfin, transmettons à cet ordinateur les signaux électriques de toutes les données relatives à une situation, comme l'image, le son et l'odeur. Connectons cet ordinateur par des électrodes au centre de la perception sensorielle dans le cerveau et envoyons à notre cerveau les données pré-enregistrées. Lorsque notre cerveau recevra ces signaux, il verra et vivra la situation à laquelle ces signaux correspondent. De cet ordinateur, nous pouvons aussi envoyer au cerveau des signaux relatifs à notre propre image. Par exemple, nous pouvons envoyer à notre cerveau les corrélats électriques des perceptions sensorielles de la vue, de l'ouïe et du toucher que nous avons lorsque nous sommes assis à un bureau. Dans cet état, notre cerveau s'imaginera comme un homme d'affaires assis à son bureau.
Ce monde imaginaire se poursuivrait aussi longtemps que les stimulations continueraient de venir de l'ordinateur. Nous ne nous rendrions jamais compte que nous ne consistions qu'en un cerveau. Effectivement, nous pouvons très facilement nous louper et croire à la réalité de perception qui ne correspond à rien de matériel.